Et c'est mode, on est parti pour la suite des aventures sur Star Wars Jedi Fallen Order. La Tatascar était là. Coucou. Elle a pas pu voir le premier épisode quand je l'ai fait. Parce que madame se reposait. Donc elle va regarder le deuxième. Elle a vu la vidéo comme vous par YouTube. Elle a dit que le jeu était très beau. C'est quel corps? Voilà. Alors oui, j'ai oublié qu'on a changé de vêtements. Dans le vaisseau. Ah, on est dans l'hyperespace, regarde. Oh. Grise? Non, pas maintenant, j'ai du boulot. Je suis limite à quoi? Le sabre laser de Cal qui lui a été légué par son ancien maître. Ah non, d'accord, ça c'est pas ça. En fait, il faut que je fasse quoi? Je peux aller nulle part là. Je suis loup. Ok, si je bloque dès les premières secondes, ça va pas le faire par contre. Faut que t'ailles où? Mais justement, j'en sais rien. Ah, faut qu'il pose son cul. Tout simplement. Il va jouer un Ah, c'est une peu. guitare. On a retrouvé Chiran. Cet air, je l'ai composé il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force liée à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça? J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant. Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez. Il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Cal. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination. Alors, la gueule. Bogano! Bogano, 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 bogano. T'as mort fait, Bogdanov! Et voici Bogano. Un Jedi. Et pas Bogano. C'est aucun rapport. Tu ne la trouveras sur aucune carte. L'Empire ne sait pas que cet endroit existe? Non. Alors? Quel est le plan? Se cacher ici? On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment là-bas? Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'ordre Jedi. Mais seul quelqu'un qui maîtrise la Force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus Jedi, vous avez besoin de moi.
Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mais nous avons un adversaire commun. Et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi. Salut Al Capone, comment tu vas ? Ça doit être un Jedi que je cherche. Mais s'il y en a déjà un ici, pourquoi Serré a besoin de moi ? L'endroit a l'air sûr pour méditer. Il faut seulement... Valable de compétence. Ouais, est-ce que j'ai entendu comme quoi il serait dur mais super sympa à jouer. Débloque un coup puissant qui s'avère mortel, mais ça s'est mis faible avec Y. Ok. Ah, sympa. Augmente le niveau de force maximale. Ok, niveau de santé. Ah, bah c'est bien en fait, t'es vraiment développé le truc. Oh. C'est reposé. Ah, les ennemis sont apparus. Ah oui, comme un Dark Soul en fait. Je commence tout juste, ouais, Capone. C'est mon petit Captain, comment tu vas? Salut, BD1. Moi, c'est Cal. Ouais, ça va, mais je voudrais trouver quelqu'un. Non, pas toi. Je recherche un Jedi, je crois. Attends, tu le connais? Qu'est-ce que tu sais? Hé, hey, t'en vas pas! T'as piraté ce truc? Merci. Ah putain, d'accord. Faut que là, en fait, à m'habituer aux différentes versions du décor. Où il peut s'accrocher ou pas et compagnie. Le sanctuaire dont Serré m'a parlé. Celui que je recherche doit se trouver ici. Ah d'accord. C'est le chemin que j'ai pris. Ok. Mais oui, je le commence tout juste, Capone. Une suggestion? Il faut que je parvienne à franchir ce gouffre. Une tyrolienne? Comment t'as su que ça marcherait? Ah, tu as fini déjà, Capone? Purée. T'as fini le jeu, poteau? Je te crois, mais je voudrais aller voir quelque chose de ce côté. Ah, bah comme ça, tu pourras m'indiquer s'il y a des chemins à prendre que j'ai raté. Enfin, des chemins à prendre. Si toi, que j'en chie, que je me retrouve plus... Je peux pas aller par là. Ce truc a l'air de sentir plus mauvais que gris. Thank you.
Ah d'accord, il touche même dans tes roulades quoi. Ah, on peut se soigner tout seul. D'accord, c'est peut-être un peu ça. Il y a un gros côté un peu Dark Soul dans le truc qui est sympa, je trouve. Oh, par contre, le chargement il casse un peu le rythme. Elle est long le chargement. C'est chiant quand ça fait ça. Normalement, c'est la prochaine génération, on devrait quasiment plus du tout avoir de chargement. Qu'il sera assez puissant pour pouvoir couper les chargements, quoi. Comme les PC. Ok, je suis repassé par là. Attention là-bas. Ça a l'air dangereux. C'est pareil qu'à la décharge. Tiens bon, Média, j'arrive. Ça va pas? Attends, je peux peut-être t'aider. Tu veux bien? Oh. D'accord. Voyons. L'interconnecteur m'a l'air HS, mais ça devrait t'aider à te déplacer pour l'instant. C'est là-bas que j'allais. Ok, alors. On doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici. Oh, personnaliser son sabre laser, carrément. Bleu ou vert. Je vois ça en bleu, je préfère le bleu ou vert. BD, c'est un peu étroit pour moi. T'en fais pas, je trouverai bien une autre sortie. Quelqu'un s'est servi de cette pièce comme entrepôt. C'est étroit, mais ça devrait aller. Ces plantes mènent quelque part. Faut pas qu'elles lâchent. Elle grimpe, Marcel. Ouais, je vais m'en remettre.
Eh con, t'es obligé de prendre la décharge en fait. Estime de soi. Toi, t'es plein de ressources. Ça, ça fait du bien. Merci, petit droïde. Ok, on va réessayer. Ah, raccourci que je viens de débloquer. Ok. Eh, hey, un coffre. Tu crois que les Jedi nous laisseraient nous servir? Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. J'ai un morceau de pièce de sabre. Modifier ton sabre, ça augmente sa puissance ou pas, Capone? C'est lui qui me disait. Hein? Non, ça c'est la corneveille, ça c'est la bleuzaille. Les compétences, ok, d'accord. Vas-y, le chat tape l'incruste, on ne dira rien. T'as fait une carte des lieux qu'on a traversé. Passer par là. Il faut qu'on trouve un autre accès. Un autre coffre. Ouais, donc le sabre laser, c'est juste esthétique, quoi. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Un matériau de poncho. Ah, mais même tes freins, tu peux le changer. Pas mal ça. Cet outil a servi à quelqu'un pressé d'aller au sanctuaire. Mais c'est Esteban pour ton host.
bouffe-toi, on dira rien. Pas de soucis pour ça. Ton tueur est Seban. Et donc, qu'est-ce qu'elle est bruyante, hein? Je lui dis. Bah ouais, ça, ça, on vient de se lever il y a même pas une demi-heure. Il faudra que j'attende d'avoir la compétence de courir contre le mur. Quelque chose? C'est ton guide? Un petit droïde qui t'aide, quoi. Je suis bien. Je lui dis, ouais, va falloir que j'apprenne la compétence à courir contre le mur. Il me dit, ça arrivera vite. 30 secondes après, bon, bah, c'est ici. Ok. Et la force sont d'excellentes alliées. Elles t'aideront à surmonter tous les obstacles. Ta maîtrise sera totale. Maintenant, fais ton possible pour m'atteindre. Maladroit. Réessaye. Et la force sont mes alliés. Je me rappelle juste de quelques trucs. Tu peux me remontrer ce raccourci? D'accord, tu peux pas courir sur tous les murs. Celui-là, par contre. Ok, mais comment je fais pour choper les deux coffres?
bizarre. Il a posé sa tête. Le problème, c'est qu'on va attaque chargée maintenant à Y. On va augmenter notre barre de vie, notre barre de force, déjà, je pense, en premier. T'as trouvé quelque chose, BD1? Ah, par contre, non, si t'appuies sur la manette, on peut le faire. Il veut jouer, lui aussi. Trop violent pour les petits chats. C'est pourquoi tu me regardes. Ben oui, t'as raison. Tu vas avoir peur après. C'est à de me regarder si ça change pas. Hein. Il veut jouer. Ah non. Tiens. T'es mignon, mais t'as un tout petit breton. C'est ce que tu m'as envoyé. L'immonde Pokémon. Il s'est posé. Par contre, tu peux éviter d'avoir que son cul sur moi, ça marche. Et bouge. On fait la course. Ouais. C'est parti. Ouais, viens. C'est pas encore fini. Ok, d'accord. J'aurais probablement gagné. Ça, j'ai fait. À part que je me défends pas du tout, je me débrouille comment avec Capone? Impressionnant. En fait, dis-moi, la durée de vie, elle pourrait être combien de temps? T'as mis combien de temps, toi, pour finir le jeu? La trame principale, en tout cas. Est-ce que ça va, BD? Bien joué, qui que tu sois. Tu as brillamment passé mon épreuve. Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Je suis Maître Eno Cordova. Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre de Jedi. Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré, bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Efou. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la force, une vision de mort. J'ai dissimulé un holocron de Jedi au sein de ce sanctuaire. Les noms de tous les enfants de la galaxie sensibles à la force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend.
Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages et apprendre à percevoir les mystères de la force comme l'ont fait les effaudres. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. Va sur la planète des effauds, et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête. Bonne chance, Jedi. Et que la force soit avec toi. J'imagine que tu es celui que je devais retrouver. Oui. Tu sais, ça fait longtemps que je suis tout seul. Je me cachais, sans but précis, isolé. C'est pas une vie, tu sais. Pas pour un Jedi. Ou un droïde. Peut-être que Serré avait raison. Il ne faut plus se cacher. Hey, tu aimerais que je te présente quelques-uns de mes amis? Autant que ce soit la tenue que le reste, honnêtement, j'aime bien le délire. Ce que vous vouliez que je voie. J'ai l'impression, en effet. Nous t'attendons. Fermé. Mon ami, il semble que les effauds portaient de l'intérêt à Datomir. Cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si sombre. Merci, BD1. Et pourquoi pas en... tiens, on va essayer de refaire l'autre. Maintenant qu'on a validé nos points d'XP. Mais c'est quoi cet endroit?
à mon avis, je pense qu'on peut pas y aller maintenant. Je présume. On n'a pas les compétences pour y aller tout de suite. Le Jedi venait ici pour étudier la sphère en haut. Je sens encore l'enthousiasme. Putain, j'ai... Sérieux? Tu peux pas te blo- tu peux pas bloquer ses coups, quoi que tu fasses, tu peux pas bloquer ses coups au mob. Ouais, mais ton esquive elle est hyper limitée. Genre, quand t'esquives, putain, tu vas pas loin quoi. Je vais retenter une dernière fois quand même. Après, on va pas rester toute la. Tout l'épisode dessus. Ah, c'est ça, t'as tout compris. Après, ça tu récupères que l'XP que t'avais. T'avais laissé... Ah non, tu récupères tout. Ah oui, tu récupères vraiment tout en fait. Oh les boules. Bogling a été tué. Peut-être en défendant sa famille. Ouf, l'inter...
connecteur doit être réparé pour faire marcher cet appareil. D'accord. Il faut réparer le robot en plus maintenant. Oh la vache, j'ai bien cru que j'arriverais pas à le faire, tu vois. Mais en même temps, moment, l'avantage c'est que je récupère un point d'XP, donc un point de compétence. T'as combien de. Les trucs là, 1 sur 3 de la force, 1 sur 3 de la vie là. T'as combien par planète? Ou c'est aléatoire? Au niveau de la force, je pense. On montre équilibré entre les deux. Le prochain, c'est quoi? Ok. Donc, si maintien RB, tu boufferas moins de force. Et le côté en protégeant, tu boufferas moins de défense. C'est pas mal ça. Ah d'accord, c'était pas ça en fait. Le décor qui est pas du tout fait pour t'avoir. Merde. Là, tu peux me dire s'il y en a d'autres ou pas? Pour savoir si hors enregistrement, faut que je revienne pour farmer un peu la. Pour fouiller plus la zone, toi. Donc, tu peux en avoir deux ou un? D'accord. En tout cas, bonne surprise, que honnêtement, papa, à tous ceux que j'entendais qui critiquaient, comme quoi le jeu allait être pas top et compagnie. Le côté Dark Souls et tout qu'ils ont rajouté avec le l'XP à récupérer sur les mobs qui viennent te tuer et compagnie, honnêtement, c'est vraiment sympa, quoi. Et c'est assez fluide et tout. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poils de potoli? Non, pas vraiment. Oh, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, Cal. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Efaux. Un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché? C'est un holocron des archives. Contenant une liste d'enfants sensibles à la force. La prochaine génération de Jedi, je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Cordova était solitaire. Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là, attendez, attendez. Un holocron? Un holocron.
Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Utilise la force. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Avec les enfants de cette liste, nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire. Ok, pas de problème. Allons-y! Oui, mais l'Holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses effets. Ok, très bien. Alors où on va? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté les Jedi? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'Ordre? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant? D'accord. D'Atomir ou Zepho, c'est toi qui décides. D'Atomir ou Zepho. Enfin un peu de bon sens. Fichons le camp d'ici. Ah, d'accord. Tu viens de comprendre. Ok, donc il reste encore 4 secrets. Un paquet de coffres. Ah oui, quand même. On est sur Zepho. Sur Zepho. Toute cette aventure a sérieusement amoché le Mantis. Parce qu'il était comme neuf, peut-être? C'était une vraie merveille, mais maintenant, faudra pas t'étonner de recevoir une facture. Quelqu'un a des problèmes d'argent? Je veux dire, ouais, ok, j'avoue qu'il y a un peu de ça, mais j'ai l'habitude. Et toi, t'étais riche avant? La fortune n'est pas la priorité des Jedi. Ouais, j'étais pauvre aussi, mais c'était pas si terrible. Avec mon ancien équipage, on arrivait à s'en sortir. C'est là que j'ai appris à jouer au sabacc. Un jeu qui demande des crédits. C'est un drôle de choix. Ah, on était jeunes. On visait des trucs stupides, de la nourriture, des pays. Hé, Grise, c'est quoi ce truc? Quoi? T'avais jamais vu un terrarium avant? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes. Hé, dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'Ombara bien épaisse, il n'y a rien de plus bon. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Viens par ici, petit gars. On va pas tarder à sauver. Je vais voir les modifications que j'ai pour mon sabre. Et comment je fais pour réparer le robot? Donc là j'ai en bleu. Ah oui, ça fait plus sabre déjà de B1. Si je me mets comme ça et comme ça, ça fait vraiment sabre Obi-Wan Kenobi toi. Ah c'est plus tard les soirs? Ok. Faut que j'arrive à me rappeler de revenir ici pour récupérer le truc de Mister quoi. Faire un petit point de sauvegarde. Faut que je pense à revenir ici pour ouvrir le coffre quoi.
En fait, tous les coffres contiennent des pièces, en fait, de ça, quoi. Par contre, il y avait un qui m'a donné un matériel de poncho. Je peux le modifier maintenant, mon poncho, ou est-ce que c'est plus tard aussi? Dis donc, il y a une sacrée tempête. Prends le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Et Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien sûr. Non, je peux maintenant. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui. Je suis sûr que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Et pour le poncho, tu l'améliores où? Enfin, tu le modifies où? Ok, allez, tout doux, tout doux. Parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte une fois que c'est réglé. Cal, par ici. Tu as fait du bon travail sur Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova et les EFO, plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas. Ah oui. Allez, sans poncho. Avec le poncho. Bah, tu sais quoi, je reste sans poncho pour l'instant. Bonne chose de ces cultures antiques. Je sais seulement que Cordova a été fasciné par les efforts et par la puissance de leur enseignement. J'ai besoin d'un instant. Et c'est bien coffre. C'est, ils ont bien fait que toi le coffre il peut passer inaperçu dans le décor et tout, donc faire gaffe quoi. Qu'est-ce que c'est? Bleu leader, nice. J'aime bien le bleu. Impossible de passer. Allons-y, BD1. Les coffres sont vraiment fusionnés dans le décor, donc t'es vraiment obligé de tout regarder pour être sûr de rien rater. Ah bah tiens, qu'à toi, je t'ai passé devant. Reviens là. Alors, qu'est-ce que ça contenait? Nouveau matériau de poncho, bravo. Oula, Stormtrooper, sérieux? Par où faut que je passe alors? Oh, c'est énorme! Fais attention, BD. Ils ont l'air d'entre eux. Les pauvres Stormtroopers. Les impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis.
Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Bien joué. Pauvre soldat. Est-ce que toi tu attends le prochain film, la chute de Skywalker là? Ou l'héritage de Skywalker, je sais plus comment, comment ils avaient appelé le film. Ok, donc au moins je sais que je peux passer par là. Ascension de Skywalker, merci. Toi, tu l'attends ou pas le film? C'est vrai que depuis quelques temps, je trouve que toute la communauté Star Wars baisse pas mal niveau attente des films, quoi. Que des mensonges. L'Empire voulait seulement ses terres. J'ai trouvé la cible. Je vais pas tout faire moi-même. Il faut faire gaffe. Toutes les squads à Perry. Ils vont pas le pas. Oh. Je suis la cible. Vas-y. Défaut, c'est pas l'île où il y a Skywalker? Le maître? Ça ressemble beaucoup comme au niveau du corps. Des constructions comme ça en pierre et tout. Qu'est-ce que c'est? Les poignées, devoir et volonté.
là pour avoir je crois que c'est Midasion. Midasion. Herbe de compétences, oui, oui. Les gars, on fait une petite pause. On fait une petite pause quelques minutes. Je reviens tout de suite.